Cela fait déjà 30 ans qu'elle égaye les mélomanes ivoiriens avec sa présence scénique. La promotion de la musique traditionnelle baoulé, ses compositions telles que « Le pointeur doit payer cash »,« Les hommes ont tout en bas », »,« Amour de femme », etc. Elle, c'est Yolande Ala ou encore Savannah Ala. Au cours d'une rencontre avec la presse, la chanteuse annonce officiellement la célébration de ses 3 décennies de présence sur l'échiquier musical ivoirien. J'avais déjà célébré les 25 ans à Paris et là je décide de célébrer les 30 ans ici en Côte d'Ivoire. 30 ans de carrière musicale, ça relate en fait tout mon parcours. Ça fait 8 albums avec 4 singles. Le bilan positif, il y a au moins 60% de la population ivoirienne qui sait, enfin africaine même, qui sait qui est Savannah Ala. Donc pour moi c'est un bilan assez bien. Le concert événement bénéficie du soutien de l'association des artistes du centre. 30 ans de carrière d'un artiste n'est pas permis à tout le monde. À partir d'ici, on a commencé à faire beaucoup de promotions. Donc je suis très content. J'invite tout le peuple baoulé. Elle est un peu polyvalente, étant donné que la communauté baoulé soutient leurs artistes. Donc on a la foi qu'elle peut remplir le palais. Passionnée d'art depuis sa tendre enfance, Savannah Ala a aussi flirté avec le cinéma, la danse, avant de se consacrer définitivement à la musique. Toutes ces disciplines artistiques seront d'ailleurs mises en scène au cours de ce spectacle prévu le 8 juin prochain à la Sananoumabo du Palais de la Culture de Trècheville.